Je laisse la parole à mon collègue député de Rosemont. Merci. Merci, Dr. Marcoux, Monsieur Laberge, Monsieur Nadon. Vous avez parlé de la dose de concentration qui est tellement forte qu'elle peut nuire aux patients, le patient étant ici la totalité des patients et le système de santé. On sait que c'est un organisme extrêmement complexe. Il doit y avoir des orientations, des décisions, de la reddition de comptes, mais aussi de la rétroaction. Et de la rétroaction pour savoir ce qui se passe à la base, est-ce que les intervenants, les médecins, les cadres constatent. Dans la hiérarchie qui est proposée par le projet de loi où le ministre désigne les membres de conseil d'administration, les PDG adjoints et les comités d'experts, que pensez-vous que ça va donner en termes de rétroaction, c'est-à-dire de capacité pour ces gens qui ont été nommés de dire la vérité au pouvoir, de dire que telle orientation ne fonctionne pas, telle modification serait nécessaire, compte tenu du fait qu'ils sont tous redevables pour leur emploi actuel et futur de la décision du ministre? Bien, vous êtes au cœur de ce que je disais tantôt, quand on craint, on n'a pas une lunette magique pour en être sûr, mais on craint fortement que le fait que les gens disent, nommés par le ministre, disent au ministre ce qu'il faut pour les patients, qu'il se crée une confrontation avec la base. Et c'est là qu'on parle de démobilisation. On est dans un système où il y a des activités faites par des professionnels. Il y a eu de nombreuses études faites sur la gestion des professionnels où, oublions les patients qui ont leur mot à dire, mais les professionnels dans un système d'organisation de professionnels, le professionnel se sent en devoir de dire ce qu'il veut. Il est l'expert. Et c'est ça qui fait la différence. On peut mettre d'autres experts, mais on savait que si ça fait des experts entre eux, celui qui applique les choses qui est sur le terrain va dire que c'est lui qui a raison parce qu'il voit le résultat. Et je vous invite à lire Henry Mintzberg, qui a fait des études intéressantes là-dessus, sur le fait que la gestion des professionnels doit laisser une place aux professionnels de terrain qui est sûr, qui est dans l'activité, qui a les mains dedans pour donner les suggestions de savoir comment que ça fonctionne. Le professionnel, je ne parle pas que des médecins, là. Je parle des médecins, des infirmières, des pharmaciens. Ces gens-là sont au quotidien. Au-delà de leur aspiration de négociation financière, ils ont des idées à dire. Ils ont des choses à dire. Merci.